sachant qu'un train qui trône à 17h23 qu'à 17h40 un autre part de pisse. Quand vont-ils se croiser? Quand vont-ils se croiser? Étant à mi-distance à 18h33, et où s'arrêteront-ils en cas de grève surprise? Sachant qu'un paysan qui s'en va au marché retranche 2 francs 50 chaque fois qu'il les ajoute. Dites combien de choux-fleurs, dites combien de choux-fleurs ne seront pas vendus au prix qu'ils ont coûté, et combien d'artichauts finiront sur les routes. Sachant que le terrain cédé par la commune a triplé de valeur en l'espace de 2 ans. Calculez la valeur d'un studio vu sur mer à Marina Lagune, compte tenu que le maire a touché 5%. Interrogation écrite, fermez livre et cahier. Vous avez 10 minutes, je vous donne jusqu'au quart. Sachant qu'une ménagère qui fait ses provisions transporte 6 litres d'huile chaque jour dans son chariot. Combien de litres d'huile seront stockés chez elle durant les élections, sachant qu'elle a moins d'huile que de sucre en morceaux. Sachant qu'un ouvrier qui travaille dans le métro met 100 francs de côté chaque mois chez le percepteur. Trouvez ce qui lui reste pour faire comme les copains et pour perdre au loto. On pourra tout arrondir au franc inférieur. Sachant qu'un camion vide pèse 4 tonnes 500, que Jean le camionneur est toujours en surcharge. Combien Jean fera-t-il d'aller-retour Toulouse-Roubaix sans accident, étant donné que Jean est payé au voyage? Interrogation écrite, fermez livre et cahier. Si j'en vois un qui part, je le colle pour samedi. Sachant qu'un pétrolier, malgré sa faible allure, ne peut pas manœuvrer lorsque ses cuves sont pleines. Combien de kilomètres de côtes seront polluées par les hydrocarbures? Quel est son pavillon et l'âge du capitaine? Sachant qu'une industrie exporte à l'étranger tantôt des lots de 100, tantôt des lots de 1000. Trouvez le nombre exact de charges et de roquettes exportées chaque année. On ne tiendra pas compte des années bissextiles. Sachant qu'en 3 minutes une baignoire se remplit, mais que l'on n'utilise qu'un seul des robinets. Si l'on y plonge un corps, vu que tout corps plongé dans l'eau sera molli, dites quand le physicien finira par avouer. Interrogation écrite, fermez livre et cahier, que ceux qui ont fini me remettent leur copie.